biso lingaka nango français te lingaka pe mubulu te po sino kolemba yango to telemi na biso awa itinéraire ba pesa ki biso yango to zolanda balobaki soki to longwe gare centrale tina ba tetela toketi kote mukonja mboka vanda ka soki wapi kuna nde yango to zolanda na nzela bakale biso po biso to yeba libumu mama libumu oyo zomo na libumu bakangela kango te bakala kango te bango moko ba vanda na bureau wana 12h bakoyo kanzala mbango komona ba voiture zole ka bazokelia mais biso tozolinga to bongisa makambo akolia bango bazolinga te bon to vanda biso nyoso si yango tolobi ke biso pe otokosala na ndenge na biso moko tomatisi prix par rapport à ce moment-là, tu as pris. Tu as pris. Gouvernement, biso to kanaki to senga gouvernement a baki sa biso budget et agriculture na ministère et agriculture. Seulement. Tu as un loco moussou te kaka yangwana. Biloko ekita po soki tozo produire ebele biloko ekoma ebele nzala ekozala te kulunu ekozala te bajeune bakozala na mosala na agriculture bango bazoboya tokosala ndenge nini. Ok, merci papa, toye kotoyo. Papa, bonjour. Bonjour maman. Tomonela tobenga ngoni concombre. Concombre. Oui, nalonaka concombre. Siko likambo nini tomoni bino awa très mobilisé likambo ezali bien koleketa. Bakataka loboko te basokolaka loboko omoni eloko na simbi. Eza kisi munene koleka oyo ozokende kozwa na pharmacie parce que oyo soki banere efaiblir olia ngo ya mobeso banere esali nini ezongi ezongi normal sikoyo eloko oyo nanu moko oyo eza na valeur te mpo na nini soki okende na pascal okuta ngo bazoteka ngo likolo ya potopoto nde biloko oyo tolingi todeklare bavalorize yango etekamaka pe na mesa ezala pe na valeur tokokwambala yango mutu pe aye na magasin azwi pesa ngai douzaine ya concombre bapesi yo 12boso na biso agriculture ezala valorise oyebi toza na combien d'hectare eza non cultivé 8 085 000 sol oyo eza nano kongo batia te sikoyo biso toza bapaysan tosalaka na bamwa bakongo ya mike etandi mpe ya mike tokolesa RDC ndenge nini alors yango tozokende kodeklare bamekola agriculture familiale oyebi kamarale yalobaka nini femme noire femme africaine tokoti classe neti ngai na koti classe na kongo na soso lelo tala badiplôme naza nango naza spécialiste na paipai naza docteur en phytosanitaire de plantes mais nasalaka wapi nazali ingénieur en maintenance des engins agricoles wapi banje yango ezali te biloko tosala na maboko kongo oyo po omona ango tala boyi nde yango tozokende kodeklare droit na biso tolibere RDC pourquoi la monde entier parce que ba français balobi l'Afrique est le berceau de l'humanité. Humanité en gros wapi awa na RDC. Mais pourquoi est-ce que pendant qui délégation monte à Bouquet pourquoi y a qu'on représente bien ce oyebi nombre de paysans autres en RDC. Ici oyo délégation ka ya ba paysans. Délégation ya ba paysans toza combien na RDC. Donc yango wana RDC et indi biso toya ko présenter bango na ba o bazana bandundu. Kasumba lesa goma bakoya ndenge nini yango biso batindi biso toya korepresente bango toza balobeli na bango na RDC nde yango moni toye awa ekomi boye mikakatano toza permite boye na boye neti ngai nafandaka na zamba na plateau le bateke nakoyeba biseka nini mokonzi azalaka bakonzi oyo baza liboso na biso nde bakendaki kosolola na bakonzi wana biso tozomema biso tokoloba eloko te toke kaka tolakisi tosalaka oyo RDC nyonso toza sensibilize bayebi ke lelo tokosala marche paysanne ya kodeklare budget batiela biso na fiske 30% kaka ya budget agricole mpo na mikili mosusu neti naza boye naza spécialiste na paipai naokende na gouvernement apesi ngai même 5 000 $ nakei koproduire paipai oui
Biso batu 30% wana soki ba pesi biso yango to ko réclamer sous ndenge ni qui veut dire to mona ki soki ba pesi biso 30% agriculture et kozala valoriser donc pour ça na biso nde ezali yango wana mama na ngai. Merci beaucoup. Tout konso na se lancer na bilan nde na yi matembele ndunda donyoso. Je suis en train de faire des choses. Alors, ce qui m'a impressionné aussi en tant que jeune, c'est quoi? C'est d'avoir, parce que la loi nous dit, chaque personne a droit aussi, donc à marcher, à se faire attendre. Alors pour moi c'est quoi? Ce qui m'étonne c'est quoi? C'est les marches donc qu'on a voulu seulement donc soutenir c'est quoi? Donc c'est le marche des politiques. Là quand on parle des politiciens, là on doit soutenir. Maintenant les marches qui répondent donc surtout nous les jeunes. Ici aujourd'hui nous voyons il y a trop, donc l'opération Kuluna, il y a trop de Kuluna, trop de voleurs. Alors il y a trop de bandits, on entre dans la maison, bon, voyez un peu ça. Alors, je voulais aussi dire que nous, les jeunes, nous devons se prendre en charge afin que les gouvernements puissent aussi nous financer un peu quelque chose pour que nous puissions, parce qu'on a toujours dit, la vente informée n'a pas d'oreille. Alors, que les gouvernements puissent aussi nous faire un peu quelques moyens afin que nous puissions vraiment aller en avant. C'est ça un peu les mots qu'il y a. Merci beaucoup. Merci. Bonjour papa. Hein, bonjour maman. Papa, comment est-ce que vous êtes très mobilisé? Tout ça, pour lutter pour la... l'agriculture dans Mboka Labisso, on est passé par étape à Bukangalonzo, on n'a pas eu de résultat jusque-là. Le chef de l'État est venu avec du béton, on n'a pas eu de résultat d'agriculture. On s'est dit le programme du chef de l'État vraiment devait commencer par béton. Donc en faisant des sauts de moutons, non. Le programme du chef de l'État est 100 jours d'urgence, il fallait banana, nous avons agriculture. Parce que besoin d'être humain est l'imbosso primordial et à rendre l'iboum. Nous sommes là pour mon temps à Sananzala. Alors, on a courage, il y a à mon côté. Nous sommes là pour qui satisfaire nos besoins. Il y a des lois qui nous permettent de faire ça. Il y a des gens qui ont fait ça. Nous sommes là pour les paysans. Nous sommes là l'humanitaire. Nous sommes là pour l'association. On est venu leur soutenir pour leur faire ce message de la chef de l'État était l'agriculture et familiale et Zali priorité de priorité. Et voilà, maintenant, destination qui était dans le palais de la nation. Mais on nous a interrompu, tout le monde la brutalité, bon, c'est l'État, la constitution permet à chaque citoyen congolais de revendiquer ses droits en informant le gouverneur de la ville. Je ne dis pas demander l'autorisation, juste informer. Tout ça, il y a un mot convenablement. On les a informés. Malheureusement, ils n'ont pas respecté la constitution. Tout le monde qui a incendié un paysan à travers la ville de Kinshasa pour revendiquer le droit à la bango. Tout le monde a la brutalité. Tout le monde a la bango. Tout le monde a pratiquement dans les environs à Sonas. Tout le monde a de la nation. Place pour continuer les revendications d'Abisso. La population congolaise revendique ses droits. Droit à Nini,
été bâti à budget agriculture, nan on a priorité de priorité bâti à mbongo et béré l'agriculture parce que la population a besoin de manger et la population n'a pas besoin de tous ces bétons construits. Mais pourquoi est-ce que ma réclamation là, oui, on s'est concerté, agriculteur, bateau nyonso, ma société nyonso est alliée à l'agriculture, nabiso. Kinshasa mon village, au Tozali Bongo, moko ya bato ba bundaka po na na bomoi ya moto, bozali ya moto ya malamu, to sangani na bango, to yoki bango, to bito ko soutenir bango de to ko tamwana bango nzela moko. Merci beaucoup maman. Bino fo boxi kala mutu kala na boy ba tebele ba mata. Il y a des gens qui ont été réalisés.
mais contentement dans par rapport il y a des gens qui ont dit que ça m'a ma bé. Quand si bon moi qui suis là qui côté il y a CNCS poté ba mege ko intercalé bango comme bisika oh yote kasi na yango ba ba na na négociation ba sur ko ça là ba permettre bango te ko comme a na bisika bozali comme na ba ba bango pour la correcte ba pour la correcte ba réclamation bango pardon na yango to la na bola inyo so nenga ni bazali penza ko yemba ko loba ko passer message na bango ya ko mali lotina ya ko za na bango awa na kati na esika oyo to la na bo kebinyoso. Comité national pour la promotion de l'agriculture familiale en République démocratique du Congo, CENPAF en sigle. Déclaration des organisations paysannes membres du Comité national pour la promotion de l'agriculture familiale. Excellences, Monsieur le Président de la République du Congo, chef de l'État, avec nos hommages les plus différents, nous, délégués des organisations de professionnels agricoles, membres du Comité national pour la promotion de l'agriculture familiale, CENPAF en sigle, avons le réel plaisir de présenter à ce jour mémorable notre mémorandum pour présenter les préoccupations profondes des plus de 12 millions de producteurs agricoles familiaux que nous représentons à travers nos trois organisations, la Confédération nationale des producteurs agricoles du Congo, la CONAPAC, l'Union nationale des agriculteurs du Congo, l'INAGRICO, la Confédération paysanne du Congo, principal regroupement paysan, COPACO-PRP, accompagné par le SENADEP, les PREFED, PRODES, la CONAFED, l'INADES et la Fondation Kibasa Maliba, Impact 1000 jours, Association Province RDC, Kinshasa, mon village. En effet, Excellence, Monsieur le Président de la République, voudriez-vous être déjà rendu compte que la République démocratique du Congo, malgré toutes ses potentialités, dépend de manière honteuse de l'importation de produits vivriers alors que nous disposons des capacités et les plus de 80% de la population congolaise, soit environ plus de 60 millions de ménages de producteurs agricoles familiaux. C'est pour non seulement restaurer l'honneur, la dignité et l'estime des producteurs agricoles congolais que le CENPAF propose ce qui suit. 1. La proclamation et la reconnaissance par la République démocratique du Congo de la décennie de l'agriculture familiale 2019-2028, telle décrétée par les Nations Unies et à laquelle notre pays a souscrit. 2. La mise en place d'un commissariat général à haut niveau de la République chargé de l'agriculture familiale qui sera animé par des professionnels de l'agriculture pour canaliser les efforts et les préoccupations des agriculteurs familiaux. 3. Le respect et la mise en application des accords de Maputo, renforcés par ceux de Malabo, qui imposent aux pays signataires d'accorder au minimum 10% du budget à l'agriculture au niveau national. Ceci nous permettra de réduire notre dépendance de l'extérieur en favorisant la production nationale par la promotion de l'agriculture familiale. 4. La CENPAF exige que les fonds déjà limités dont dispose le pays ne soient gaspillés dans l'importation et soient mis à la disposition des nationaux dans le cadre de l'entrepreneuriat agricole. La RDC dispose des ressources compétentes capables de faire ce travail si des préalables sont bien définis. 5. La dotation et la mise en œuvre
d'une politique agricole intégrant les préoccupations de la majorité des producteurs et autres professionnels du secteur. Il est important et urgent que la RDC finalise le processus de la mise en place de la politique foncière nationale afin d'éviter de multiples accaparements et spoliations des terres des petits producteurs auxquels nous assistons ces derniers temps, surtout avec les nouvelles velléités de fer de la République démocratique du Congo, un réservoir d'acquisition de terres. La RDC n'est pas une terre à vendre. Excellence, Monsieur le Président de la République, il vous reste plus ou moins 1000 jours de votre mandat. 1000 jours pour prouver que toutes vos bonnes intentions de soutenir le secteur agricole à travers les nombreuses initiatives sont porteuses d'espoir pour le peuple congolais d'abord. Les organisations paysannes regroupées au sein de SENPAF sollicitent votre propre implication pour l'organisation d'une conférence nationale agricole qui pourra définir les grandes orientations dans le secteur agricole et les actions à prendre afin d'éviter les saupoudrages et les risques de gaspillage des moyens rares affectés dans l'agriculture. C'est dans ce cadre que le SENPAF et ses partenaires vous promettent de se mobiliser pour l'organisation de cette conférence nationale agricole et s'engagent à vous accompagner pour la réussite de votre projet de société dans votre vision de la revanche du sol contre le sous-sol, envie de vaincre la pauvreté en RDC, comme vous l'avez promis lors de la campagne. Excellence, Monsieur le Président de la République, lors de votre discours, vous avez insisté sur la revanche de l'agriculture sur les mines. Pour ce faire, vous ne pourrez le faire sans les producteurs familiaux. Vous êtes mieux placé de par votre histoire à comprendre que les grandes puissances de ce monde ont aussi misé sur la souveraineté alimentaire et en ont fait un enjeu stratégique. La RDC devra en faire autant si elle veut s'imposer comme grande puissance au centre de l'Afrique entière et pourquoi pas une puissance mondiale. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, nous sollicitons officiellement une audience au cours de laquelle nous pourrions vous expliquer à long et à large nos préoccupations et nos différents programmes. Espérant que ce mémo racontera votre assentiment, nous vous réitérons, Excellence, Monsieur le Président de la République, nos engagements à nourrir la République démocratique du Congo avec des Made in Congo par l'agriculture familiale et sollicitons votre soutien. Ainsi fait à Kinshasa, ce 1er octobre 2020, pour la SENPAF, Matusalem Paluku Mivimba de la COPACO, de la CONAPAC, Nathanael Bouka de la COPACO, Raphaël Kibasa Maliba de Fondation Kibasa, Mani Machinda de Impact 1000 jours. Je vous remercie. Message fort, nous avons lancé pour la marche. Message à l'élo, message où est-ce que nous avons mis il y a reconnaissance, il y a existence dans le monde de l'agriculture familiale. Et ça, il y a une existence de l'agriculture familiale, les Alaka, il y a un désolé, ça 80% des Congolais à la carte de l'agriculture. Et puis, il faut croire que l'agriculture familiale, elle est à 80% de l'humanité. L'agriculture, nous sommes dans le monde de l'agriculture familiale. Bako Sabisote, l'agriculture wana mokili, les actes familiales, les plus à financer, na ba gouvernement ya mboka na bango. Mais pas na biso awa, financement malonga na agriculture familiale les actes. Yango toye awa pour na kosenga d'abord reconnaissance ya agriculture familiale et puis l'État pèse ba moyen pour na agriculture wana kokako. Ça ça ba na mboka et pèse sa misala et ça la kembo na biso tamola. Toza classé na pays oyo balwa ki 80% des populations il y a raté à sa fin. Donc il est temps qu'il est l'eau. Mais qu'à quoi inverser dans ce soir avec la vision du chef d'état n'a plus sur le bakiké de ressent la revanche ma belle sur le sous-sol bisous toi et la cadre wana pour encourager chef grâce à la présence y a pas 12 millions y a agriculteurs congolais 12 millions de paysans 12 millions de nationaux au balobi que ce soit possible sur le moyen
ne fût-ce qu'un hectare à chacun de coquilles qu'on produit en Amboka, 60 millions de tonnes de produits alimentaires. Il y a un autre lobby qui est tout ça pour ne pas s'ingérer. Kaka reconnaissance et puis bape ça ma coquille, l'agriculture familiale et chef Nabiso Ayamba Biso poète donc ko yebisaye biso moko pour ezana kacha motema parce que ayuki makambo mingi mena na oki bisote ayamba batu mingi na na bisote ayambi batu misuso bazo senga ba demande politique mais jamais demande o ezali na phase avec demande à peuple tozan attend. Il y a état de droit. État de droit est le Bénin. Et là, ici, le ventre du peuple d'abord. Liboumou, il y a peuple, Liboso. Liboumou, il y a peuple, et que Liboso seulement, ce qui va pécer Bisso, l'agriculteur congolais, moyen, il y a ko sala moussala, pour na kobi misabilei, le Congolais balia, ba tonda, tout est dans le pays voisin, tout est dans le pays moukin mobimba. Ou un des objectifs de Bisso Yangwana. Merci. Merci. Et asante sana. Wasikilizaji wa tukufu, hapa tunapatikana ni kwamba tunafanya maandamano ya wakulima wote wakikutanika katika kikundi ambacho tunaita SENPAF, Comité National des producteurs agricoles de la promotion de l'agriculture au Congo. Nia ya hasa ya mkutano huyu ni kwamba tunataka serikali yetu iweze kutambua ukulima wa wakulima wadogo au tuseme wakulima familia. Wakulima familia wao ndio wanakulisha nchi yetu. Wao ni wengi katika nchi na wao wanafanya kazi ya kulima, kufuga hata kuvua samaki. Wakulima wadogo bado wamekuwa kama watu ambao wameachiliwa. Kwa hivi sababu kubwa tunataka serikali itambue agriculture familiale kama vile wanavyosema kwa Kifaransa. Jambo la pili, tunataka serikali yetu au rais atie mkazo kuhusu kuweka sheria ambazo zitawezesha ukulima wa familia kuenda mbele. Yani ndani ya sheria kuhusu kilimo article fulani au vifungo fulani ambavyo vinazungumzia kilimo cha familia kiweze kufafanuliwa vizuri. Jambo la tatu ambao tunataka serikali yetu iweze kuongeza budget kuhusu kilimo kama vile mapatano ya Maputo yaliyokamilishwa hapo Malabo inasema kila nchi inapaswa kuongeza pasenti 10 ya bajeti yake kwa kilimo. Katika nchi yetu bajeti hiyo haifikii hata pasenti 2. Leo tunataka serikali yetu kupitia rais wetu awezi kutia mkazo kuhusu hali hiyo. Tunaomba vile vile serikali iwezi kurahisisha mambo kuhusu kumiliki ardhi, c'est-à-dire loi foncière. Kwa kuwa sheria hiyo kuhusu umiliki wa ardhi au wa udongo inatuletea shida sana. Wakulima wananyanganywa mashamba yao, hasa wale wakulima wadogo wakivamiwa na wale wakulima wakubwa. Tunaomba rais awezi kututetea na kutukinga sisi wakulima wadogo. Tunaomba vile vile serikali iweze kuweka kamisana au komisaria ambayo itasimamia mambo ya ukulima wa familia ili kuwezesha kufuatilia nini wakulima wanaotaka na kuweza kuzungumza na vikundi vya wakulima. Kwa mwisho tunamuomba rais ikiwezekana aweze kutupokea ili tuzungumze naye ana kwa ana na tuweze kumpatia shida zetu na kumuonesha pendekezo zetu na maelekeo, kwa sababu sisi kama wakulima ni sisi tunajua ukulima vizuri kuliko wale watu wengine wanaoshinda kwenye maofisi. Kama akitusikiliza tunafikiri kama nchi yetu itaenda mbele.
wenzetu wamekwisha sema katika lugha mbalimbali, wakionyesha kuwa nchi yetu ilikuwa moja ya ile nchi ambazo kwa kilimo ilikuwa nchi ya kwanza. Tulikuwa watu wa kwanza katika kutoa mafuta ya ngazi. Tulikuwa watu wa kwanza katika kuzalisha kahawa. Tulikuwa watu wa kwanza katika kuzalisha pamba. Lakini leo tumekuwa wa mwisho, na hata kilimo chetu hatujulikani kama tuko wangapi tena katika dunia. Hali hiyo inatutesa sana. Kwa hivi tunaomba barabara zifunguliwe, zikiende vijijini, meli ziweze kutembea kwenye mito na bahari, ili kuwezesha mazao ya wakulima ifike kwenye mji mkubwa. Tungeomba vile vile nani treni au train ziweze kupewa nafasi kutengenezwa, ili ziweze kuchukua mizigo za wakulima kutosha katika nchi, kati ya nchi, na kuleta kwenye miji mikubwa. Hayo mapendekezo yote tunadhani yangeweza kufungwa katika sheria ambayo inaweza kuendelesha kilimo. Hayo ndo machache sisi tunataka kuhusu rais wetu. Asante. Betu kele Comité National ya Promotion ya Agriculture Familiale na RDC. Na sigle bwe binga yo SENPAF. Donc ki mvuka ya bantuke sala bilanga. Baina ke sansaka. Ba nyama ya bwala. Baina ke lobaba mbisi. Baina ke sala pe maziba na bo. Bankaka pike sala transformation. Donc bitike par exemple manyoko bit kumisa yon kwanga. Bankaka pike sala ba micro cosette. Bankaka obete sala bo aubergine. Betena ba culture ebele. Baloso, mama tembele, manyoko, masangu. Yo ina bubo ya betu banta bilanga, betu tu banibetu na ntangu yeta de droit. Sana kotala yeta de droit, betu tu bantete di fumuntete. Sana ngeva na mfumo ya bwala, ngeva na polisi, ngeva na ministre, ngeva na munu monta bilanga. Sana kotela mapila, betu metela mapidia, ifumu salanki, mfetu dja. Sana ngeja bien, kena bantu moshke soufrir. Mvula kunoko noka ve, ntangu mpimpa, boke na mfinda. Sana ngosala bilanga ina na kudisa population na betu. Surtout ba centre-ville. Production ke katuna ba bwala. E buna bantu na ke sala bisalu ina boke bakabo na consideration ve. Yo ina bubete zula ndeki salu na bwa bete binga agriculture familiale. Mfumo ya bwala na ba mfumo na nyose ke landa na nshi boza ba yo. Sam na niveau ya Nations Unies. RDC ke pays mosi ya Nations Unies. Mais na pays ya Nations Unies ina ke na ba kora ke respecte ve. Premier accord kelenki betu tubaka bo tubaka 10% ya mbongo ya mbwala Congo yansi ya Congo yo fetu kwenda na ministre donc na secteur ya agriculture. Alors kana kwenda na secteur ya agriculture betu ba critère familial donc ya bimvuka ba famille ba tata ba mama makanda ya ke sala bisali na betu ba professionnel betu mesanganaka na ba groupe do betu ke ba plateforme ya ke former SENPAF. Mama bref ben ke lomba inki. Betu ke lomba. Betu ke lomba appui financier na agriculture familiale. Betu ke buya. Bo bakabi ma papa ya. Bo sa di sa betu na banzo na betu na bana betu boke fo betu. Sambi ma boke na tila betu yo ke ya qualité ve. Yo ina muga tu bande boke développer ve pays ya batu. Boke se développer. Bo sa na Congo na ko se développer. Betu fete salanki bilanga. Kanabo tula mbongo na banta bilanga. Kombe tika plus de 12 millions ya ba Congolais. Ya yeke sala bilanga. Kanamutu mosu boke tumani ya 80 millions d'hectares. Boka bisa nte 80 millions ina na 12 millions. Ya mpila betu kepa platforme na betu. Bo pesa mutu na mutu hectare moshi. Famille moshi. Hectare moshi. Betu tala nansuka mvula yae na Desembre. Betu bande. Ba chinois betu mebu ya ba losu na benu kuna. Betu ya na bantoto awa. Betu ya na mfunu. Bo pesa mbongo na ntoto na betu. Bo batila ntoto na beto, bo batila bate bilanga, pe bo pesa bo mbongo, sana ngosale bisaluna, betu di sa bwala Congo betu consommer local. C'est ça puis elle est à la caméra, tu vis la chef de l'état. Bon, mfumu ya bwala ngeke mfumu ya kikanda. Betu kele bantu ya ke sala bilanga. Mais betu ke majorité ya belection 12 millions de Congolais ou plus que ça. Ya ke kipe Congo. Bo talentete problème na beto baloni. Ata la problème na beto bet metu bayona memo na beto bet na funu beto kota na tiyandi samu kangé kwa na ministère agriculture ba songa de boza ba fef agriculture familiale boza ba ménage agricole. Mais nous sommes des organisations paysannes et nous bet ke défendre kaka agriculture familiale ya yo komisa RDC
premier producteur en arachide, premier producteur en coton, en café. Biloko ina nyonso mais salabi maina mais salanki me boak. Yo ina bete zo bitu kutani ya bete sa ba stratégie na beto. Inki mutindu onata Congo yampa. Yo changé. Eke bima kuja kuzanga na bwala na beto ve. Bet me vana confinement na Covid 19. Bet me mona ndio bwala na bwala elungme futu na bwala na bo. Bet me mona vende Europe ka kuzi développer Afrique. États-Unis qui a dit la coronavirus. Europe, Amérique, Asie. Bah, Dieu, je vais vous dire que vous avez un tango, mais tout est à la sol. Mais tout est à la toto. Comme qu'on a état de droit, mais tout est à la toto. Papa m'a dit que bien en français, ça n'est que comme ça, tout est bien. Donc, tout est à l'ONU, tout est à la salle, tout est à la toto, vivant dans ma cambo, tout est à la toto. Pour réduire l'importation, pour faire ça, tout est à la toto. Sambu beto sala bisalu na beto mbote beto disa bwala ya Congo yo vana mfumo ya bwala yo vana muncha ke sala cantonnage yo vana longi ke longa na bureau yo vana soda ke telama chaque jour na sali au drapeau betke na mfumo ya nki ya divumu ya ngumtu état de droit divumu ntete to saka ni to saki dila kulitu kudia lelo ditu kudia lelo ditu kudia musango wa kumpala muditu nga ya Congo bakumona bena bitim bajuki la kulu mbanga talelu mapanga nika kwamba se lelu eu tulini cha bakumona ngana ni mfumo aditunga bakumona ngana ni mfumo aditunga bwalu mfumo aditunga mwamba se tulini kwambulisha ditunga dietweli katwele tutanginanu mabwa mushinga to tutanginana madimu kadi madimi minao katwele tutanginana madimi abantu banena to bwalu muntu munene ndi mwakwamba ni lelwe umeme ndi ngenzanu udumu akutsungula nashi ni matala ni nchomba ni mbinga kweze imwapa munena kushikililani mwabao kadi lelu tetu bena komite wa agriculture familiale turbamba se tetu aba tutufuna bintu byonse udumu na mbushi udumu na ngomba umona nguluba umona mabata umona mishia umona kaleji umona bintu byonse bintu bantu badia nashwe mfumo aditunga utwanuti bwalu hadi umbuka mu biro byeba uruwalukila kumbeni we kukeba chawe kuri kuyimudia to kwena ni bukola bwa kushuka to kadi lelwe tuli bajukila kulubwa kwamba se tuli tumona matunga makwabo bali bambulisha babitimu kadi tetu aba katwana ni muntu ndu twambulisha to tuli tudi munina nka yetu ni franga mikesa kadi tuli shabantu tuli tumuna tuli toza madimi ni franga mikesa tuli nai kadi we mfumo ali tungu mwamba ni kuli envelope munene wa franga ya bunyi bwa kudisha ni kuenzela bantu mudimu bwani beza midimu munkachi mwa madimi tutumona ni lelweu bumema tungenza tumbele tungenza chom tungenza malosi mulosa ndini bena midimu kadi bena midimu wao hamtu abobu kuyakiba bali balo kwenza midimu kundi wori mwamba ni tuenza ma entreprise agricole entreprise agricole kaba tuba yenza ni muntu muhela to bali benza ni bantu babuyi mtu tuenza ni bantu babuyi kya tuli balo lelu kutuli wewa tuli tukulomba se utwaki dila mu biro bye bwani tukwesha njila mululama bwa ulongolola mushindo wawe kuyani marimie katola bamba ni ministère wa agriculture kena wenza chintu to habito tuli bamba se utuvu la tetu fetu bwalu diba ditu wabenza programme national wa agriculture programme national d'investissement agricole munka chamu muva badi babikila ma agro business bilibita ngila ma parc agro industriel kuri bari babiki dibwa ba petite production agriculture familiale tetu kibena agriculture familiale twalukuti bana bateketi kali usala kumanya ni dibadi ya mapangani dibadi ya kwenza ma election bantu bonso badi balukila mbilu ya bukonso kuli bena bidimu bakwamba se bena bidima tuli babuyi tuli babuyi tetu bama ni tuli sanga mwabeu lelo tuli balwa bakesa chanana bwalo tuli bafika munjila bampulushi bamba ni kanono mwakwenda to bakwabo kapo ni franga ya machine bobu kwalukila baba ni franga ya machine kya tuli bafika to ni kumpa na kwa chibi cheba bwa kulo kuambila ni tuli babuyi ututeleza bwa tetu kwata ni ditunga lietwedi dia kumpala hari muswa ni lelwe bakula bwa Congo tuli bamona coton tubani coton mukati mwa ditunge lelu malezi walukukala mpinde kumpala kwa bantu bonso bwa produit bwa mifumi na kuyangambi mapalmie ne
qui est malaisien, qui est congolais. Tout le monde est là, tout le jour qui est là, tout le monde 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 est là. Kato alugiri kabiri hanyima to lelo ye ututwambani mwana yonsu wa mkongo adia bim asanka bim ayamkalasa bim muri mwambani lelo ye gratuite wa enseignement lelo ye uduweza kabiri subvention wa agriculture kiti tutukulomba lelo mwani turi tutegemena ni uri mutumvu api tulibaso kwamba ni bitu libafunda mu mabezi tutukwambira ni ututeleza ubala mikandai kwambiri ni conseiller kampanda kwenze la résumé to tetu nkayetu tuli prebwa kuloku kwenze la résumé ya bitu libafunda munka chimamika ni kwela to sanga ni to sakila bwalu uri mute ya machi kututi merci. Par rapport à cette marche, les Congolais doivent retenir que c'est une nouvelle ère qui commence parce que les Congolais sont fatigués des explications, ils veulent les actions. Et les actions, la première action c'est d'abord de manger à sa faim. Pour manger à sa faim, il faut qu'on ait une agriculture qui produit et qui permet à tous les enfants de la République d'acheter, de consommer et enfin d'être fort pour pouvoir travailler. Mais dans notre pays, nous avons un gros problème de l'alimentation ou le problème alimentaire. C'est pourquoi nous avons décidé aujourd'hui de marcher pour montrer au monde qu'en RDC, nous avons une agriculture familiale. Cette agriculture qui nourrit 80% des Congolais. Cette agriculture qui fait que pendant les moments les plus durs de la Covid-19, c'est cette agriculture qui a sauvé la République. Oui, mais là, à la fin, parce qu'il faut être bref. Mais cette agriculture aujourd'hui... Les rapports. Justement, les rapports que nous avons aujourd'hui, c'est que le message est arrivé en haut lieu. Oui. Là, nous sommes à la présidence de la République. Nous avons été reçus par les services de la présidence qui ont écouté notre message, qui nous ont accueillis avec gentillesse et grand amour d'abord. Ils nous ont merci pour cela et ils nous ont dit aussi, vous savez, les calendriers se suivent en fonction des occupations des autorités. Le président est en route pour Kinshasa. Il va arriver aujourd'hui et il est avec son directeur de cabinet qui devait officiellement nous recevoir pour recevoir notre mémo. Et il nous a donné rendez-vous officiellement le lundi pour qu'on vienne officiellement déposer notre mémo pour qu'il ramène directement au président de la République pour justement préparer notre entretien avec le chef de l'État qui a aussi envie de pouvoir nous voir. Marche. Rapport Nabiso après marche, oyo ba congolais ba koki retenir et que ba paysan ba salaki manifestation parce que balingi que musala na bango ya agriculture surtout agriculture familiale ezala reconnu. Et de faut que ba yeba que au niveau international, agriculture familiale, la décennie de l'agriculture familiale a déjà été lancée. Et il faut que la République démocratique du Congo, cette démarche aussi, soit mise en marche. Oyeza eloko aliboso eloko ami balé tolingaki to présenté to yake ko présenté memo na biso auprès du président de la République. To kendai ko kutana na directeur du protocole ya cabinet du président. Alors PCB so rendez-vous et il faut to ya lundi une délégation composée de tous les responsables pour venir rencontrer le DIRCAP, le directeur du cabinet du président. Donc, Bakongole va comprendre que les noms, les mots, vous pouvez citer, les mots, vous allez donner officiellement le lundi. Le lundi. Voilà. Merci. Bande Kobalandi, Léon Joléo, Tokomi Bongo, Nasuka, émission, et Bissamo Kolomalelo, Bongo, et Pitozaki, Bongo, Nabasali, Bilanga, Bimoko Bomoni, Minoboko Koboki, Naboke, Bignon, Sobo Lengenini, Bazali, reclamer, Badroa, Nabango, Bazali, réclamer, Bazali, Bongo, négliger. Nayango, toi, tu es bilanga, yango, ezalite, loko, et les saka. Population, tu habites dans l'élevage, tu as un tabac, tu as un soso, tu as un goulot, tu as un mabata,
Donc la pêche, tu es toujours à bise, toi ça va être temps, tu es à bise, tu es à bise, tu es à bise, tu tomates, na bilanga, biloko bise, tu es à 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 bilanga te tant soit pas qu'on survivre te yango na yango te nduna nesunga kibiso matembe sunga kibiso mo habitabe nesunga kibiso na yango bato o peut-être bazali na tina mo monene na kati ya société bo vite la moka mo susa ni agriculture peut-être que va valoriser agriculture na bango pe moka na bango te moma pourquoi pas biso la république démocratique du Congo bisika api mabeyi na biso peut-être na richesse moko ya makasi mabeyi na biso peut-être na tobe na vitamine ya makasi parce que ezali tant susa kroche matembe le coach on a place mon boy et ça en tant que mais ekobota ngubo ko lona ko okobo ko par hasard ko ki par hasard mon na keboti uso na grande ka pilipili oyo et ko par hasard okomona yango eboti pourquoi pas ko valoriser ma bene na biso pe ko sala été et tombola agriculture tombola pe mboka na biso ninga mboka mso et mama naba makamo biki miki basala na mboka na bango donc to sengete na bakonzi ya mboka bako akotala ma situation e ba sali bilanga o kolela na bango boye bomoni te bauti bisika ebele ba mso oti plateau ba teke ba mso bauti ba bib do bauti bisika na bisika lelo zaki pendant mon kolomo kote ba sangala ki po na koya ko deposer memo na bango na ba autorité na yango bino moko bomoni ndenge ni ba se mobiliser ba se sensibiliser ba lobby na mikro ya Leonjole Bongo, Nawapi, to moni ndenge ni baliye ko déposer mes mots na bango. Bongo bazali ko zela penza suite moko favorable et ko ko yingela na kasi na bango. To pesi bino ma tondo mingi na bino ba ebonso ko na émission émission moko le mois lelo na pesi ba tondo na équipe technique swinga na moni wa chari ba tondo ko na sima ya caméra na kuna na bandeko ya montage na bino pe ba collègue oyo bazali kuna na Nord Kivu na Sud Kivu bongo pe Tanganyika na pesi bino botondi bisika bozali. Bon, on a zangi cité na patron na biso patron Odon Bulamba ozali patron ya Leon Jolé on a pesi matondo mingi bisika ozali pe liboto na mobimba na pesi papa ibola matondo mingi na lolenge kolanda emission sa mokolo malelo bongo na bosoni te professeur Jacob Luamo oyo bongo a s'occupe ka pe na makambo etali bilanga na makambo etali agriculture en tout cas bon meka kosala quand même quelque chose po na bato oyo ya sala ka bilanga sa ka pêche élevage en tout cas pour me raconter la situation oyo pote mboka na biso etombwama na lolenge moko ya malamu bongo ezaki bijou maika na présentation tokutani mbala ya sima.